try. Love the tune that fills the air. I love to smell your hair again. I love to watch the horizon. I love to come back when I'm gone. I love the taste of wine and down. I love your bare feet on the lawn. Kate, you volunteered to get on this train because you know you're doing nothing in Phoenix. Okay, you're just sweeping up a mess. In 6 months, every single house you raid will be rigged with explosives. Do you want to find the guys responsible, yes or no? Yes. Yes? Yes. This is where we start. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire ce film, Denis Villeneuve? Qu'est-ce qui vous a plu? Parce qu'il y a de l'action, il y a une tension émotionnelle très forte, très bien incarnée par vos interprètes. Et puis, il y a aussi des problèmes moraux qui sont posés par ce film. Comment lutter face au mal? On lutte au mal par le mal, mais qu'est-ce que ça engendre? Ce sont toutes les questions que vous vous posiez. Au départ, ce qui m'a poussé à ce qui m'a ému dans le scénario, c'est que le film, ce texte, décrivait une réalité, à savoir s'inscrivait dans une réalité qui est en général soumis à un certain silence. En Amérique, il y a des certains problèmes comme ça qui sont peu couverts par la presse. Une violence assez intense qui sévit au nord du Mexique. Et c'est quelque chose que je trouvais qui était important d'aborder avec le cinéma. Voilà. Josh Brolin, on a l'impression qu'à un moment donné, les Américains sont prêts à tout et à tout accepter pour lutter contre le trafic de drogue. Ça fait penser aussi à la problématique de la torture, à tout ça. Est-ce que ce film embrase aussi toutes ces problématiques? Faut-il torturer des gens pour le bien, pour protéger l'Amérique? Ce film pose de tas de questions comme ça. Qu'en pensez-vous, Josh Brolin? I think that's what it does. Oui, c'est exactement ça. Ce film pose énormément de problèmes. Il ne fournit pas de réponses parce que c'est ça le problème. There is the problem that exists that a lot of people are denying or a lot of people don't know about. And they don't know that it's coming. D'autres ne sont pas au courant. Et puis ce problème traverse la frontière. Il quitte le Mexique pour venir aux États-Unis et les gens ne se rendent pas compte. There's a lot of documentaries being done right now. Documentaires réalisés en ce moment sur ce problème précis, mais pas de long métrage. Donc c'est le seul long métrage, il me semble, qui aborde ce problème avec d'énormes questions sur l'avenir des États-Unis à cause du Mexique. Comment vous êtes imprégnés? Comment ils se sont imprégnés chacun de leur rôle? Ils ont rencontré ces gens qui luttent justement contre les cartels. Ils ont rencontré des policiers, des gens qui les ont renseignés sur comment ça s'est passé. Tout était dans le script. I think that it was like the script. The script was pretty. En fait, le scénario. Vous pouvez parler en français, Denis. C'est assez agréable pour nous. Taylor Sheridan, le scénariste, avait fait un travail de recherche assez remarquable. Ouais. Je sais qu'Emily a fait de la recherche de son côté. Messieurs. Josh, c'était une démarche personnelle avec moi. On a une rencontre. Ouais. C'est vraiment les personnages, sincèrement, les personnages étaient très, très, très bien décrits dans le scénario. Alors, c'est vraiment... Il y a Emily, je crois, qui a fait de la recherche avec une agent du FBI. Emily Blunt, oui, comment vous avez préparé, vous, justement? Qu'est-ce que vous avez découvert avant ce tournage? I had a friend who, en fait, j'avais had a connection with the FBI, un ami qui connaissait quelqu'un chez le FBI. Donc, j'ai parlé à plusieurs agents FBI, des femmes, des agents féminins. Et c'était excellent, c'était excitant de parler avec elles, de comprendre mon personnage davantage, puisque le film se déroule sur 3 jours. Donc, je voulais connaître la vie d'une femme policière, comment ça implique la vie familiale, est-ce qu'on dort la nuit, est-ce que le mariage peut survivre, qu'est-ce qu'on fait pour préparer un assaut avec votre groupe d'élite. C'était tellement ouvert, elle me racontait plein de choses. C'était intéressant d'apprendre sur le sexisme qui existe au sein de la police et comment ces femmes-là font face à cela. On a l'impression que c'est un peu comme dans le cinéma, hein. Tout le monde est un peu divorcé dans ces métiers-là. Hein. Ça donne un peu cette impression.
Oui. Non, Benicio. Well, c'était pas la question. Right. C'était pas la question. Well, oui, c'est vrai. Bah oui, c'était. Mais c'était plus sûr. Maintenant, je suis pas mariée. C'est la meilleure solution sans doute. Benicio del Toro. Je me souviens que quand vous étiez là aux côtés d'Arnaud Desplechin, ils avaient été surpris par la manière dont vous travaillez le script, dont vous mettez des annotations. Est-ce que là, vous avez travaillé encore de la même façon? Vous avez fait des recherches, souligné, travaillé ce script au préalable de la même façon? Dites-moi, Benicio. That's how you become an actor. C'est comme ça qu'on devient acteur. Acteur. No, I've done many movies. J'ai fait beaucoup de films. That have to do with this topic, one way or the other. Either I'm the guy doing the drugs, selling the drugs, soit je vendais la drogue, soit je tuais pour avoir de la drogue, soit je consommais de la drogue. That's part of the research, but donc ça fait partie de mes recherches. Mais j'ai ça dans le passé et j'ai eu l'occasion de rencontrer, de nouer des amitiés avec les policiers. À Los Angeles et ailleurs. Donc, j'avais déjà fait le travail de préparation. Je me concentrais sur l'histoire, notre histoire. Je travaillais avec Denis et les autres acteurs. C'était ça, ma préparation. Je pense que ce film, dans un sens, soutient l'idée que les moyens justifient la fin. J'aimerais connaître l'avis des acteurs et du réalisateur. Est-ce que cette idée, à cette époque, est nécessaire? Je pense que ce film pose beaucoup de questions sur ce fait et je ne pense pas qu'il apporte des réponses. Il est vrai que nous vivons à une époque où il y a beaucoup de zones grises. Toutefois, c'est ce qui m'a attiré dans ce film. Le film pose des questions sans apporter les réponses. J'ai une question à poser à Emily Blunt. Ce personnage est magnifique pour une femme à l'occasion d'un festival qui célèbre en fait les femmes réalisatrices. On m'a dit que quelqu'un n'avait pas pu assister à une projection car elle portait des chaussures plates. En fait, à mon avis, tout le monde devrait porter des chaussures plates. On devrait éviter les talons hauts de toutes les façons, mais ça, c'est mon point de vue personnel. Oui, c'est décevant. Évidemment, c'est fort décevant d'entendre une chose pareille. On aimerait bien savoir, ou croire au moins, qu'il y a maintenant une sorte d'égalité entre hommes et femmes. Les femmes ne sont pas simplement des objets. Tout à l'heure, on t'avait posé la question de savoir si vous auriez ou vous pourriez réécrire mon personnage pour qu'il soit un homme. En fait, le scénario a été écrit il y a quelques années. Les gens avaient un petit peu peur de ce scénario parce que justement le personnage principal était une femme et plusieurs personnes ont pensé qu'il fallait peut-être réécrire le scénario. Pour moi, c'était idéal. J'ai adoré le scénario tel quel. Mais il y avait beaucoup de pression. Les gens qui ont écrit le scénario avaient beaucoup de courage. À l'époque, et moi j'ai aimé le scénario comme il était. Et puis, Benicio, Josh et moi, fort de ce que vous avez dit, nous allons monter le tapis rouge en talons aiguilles. New York Magazine, félicitations pour votre film. Une question pour Emily. Votre personnage ne parle pas à une autre femme pendant tout le film. Vous êtes entouré d'hommes. Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? Bah oui, j'étais entouré de ce genre de personnage. Et je voudrais également demander à Josh et Benicio que ce que cela vous a fait de travailler à nouveau ensemble.
I'm not in that gang. Désolé, moi je ne suis pas dans ce jeu-là. It's a compliment. Thank you. C'est un compliment, merci. That's how much he hides in his roles. Yeah. Il se cache derrière ses rôles. What was your question? What was it like being? Alors votre question, que voulez-vous dire? It's something that I've become quite used to because I think that happens. Alors, j'y suis assez habitué car ça arrive souvent dans le cinéma. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais je connais Benicio depuis 8 ans. Nous avions tourné ensemble il y a 8 ans. Et puis Josh le connaît également. Et ça a été un plaisir de travailler avec eux. Je me souviens que c'est un film sombre, mais sur le plateau, on s'amusait beaucoup. On a tourné dans des conditions difficiles, et moi, je n'étais pas le réalisateur, j'étais comme le directeur d'une école maternelle. J'arrêtais pas de les faire taire. Il est incroyable. J'ai eu beaucoup de chance. Je travaillais beaucoup, je jouais dans un film après l'autre, je me perdais un petit peu, et puis Denis m'a demandé de jouer ce personnage. Au départ, j'ai dit non, et heureusement, je connaissais Emily, et ils sont venus me voir. Et ils m'ont expliqué que j'étais vraiment bête de refuser ce personnage. Parfois, on ne le sait pas quand on lit un scénario. Le scénario peut être excellent. Je connaissais bien sûr les films de Denis. Je connaissais Incendie, qui est un film incroyable. Mais on ne sait jamais. On est tellement pris dans sa vie que parfois, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Le scénario de ce film était fabuleux. On a retravaillé les scènes au fur et à mesure, comme on disait tout à l'heure. Et devant un petit écran, on a regardé le film pour la première fois. Et bon, parfois, quand on n'est pas sûr d'un film, il s'avère qu'il est vraiment mauvais. Mais ce n'était pas le cas du tout dans ce cas-ci. Et je suis très fière d'avoir participé à ce film. C'est ce que Denis disait tout à l'heure, c'est un film qui pose beaucoup de questions. C'est un peu comme être dans une salle de guerre. Est-ce que ça peut être une solution possible, ou alors celle-là plutôt? Et c'est ce qu'on faisait sur scène sans arrêt. En d'autres termes, j'ai adoré travailler avec Denis. Pourquoi? Parce que le film est une belle réussite. You don't have the choice, man. You must say something nice. At least. Well, no, we met and very. Eh bien, on s'est rencontrés. Et c'est un peu ce que disait Josh. On s'est rencontrés. It was very clear transmitting. Il a été très clair. Il m'a transmis son enthousiasme. His quest for. For truth. Et j'ai bien compris qu'il cherchait la vérité, ce qui m'a motivé fortement. Aussi, il y avait le scénario qui a un énorme potentiel. Denis a travaillé avec beaucoup d'acteurs. Il est toujours prêt à écouter les préoccupations des interprètes. C'était un plaisir d'essayer de l'impressionner. Je suis ravi de voir ce film ce soir de Denis Villeneuve. Je suis fan. C'est encore plus vivant que toujours. Il y a des films remarquables. Être ici, c'est toujours un plaisir pour tout professionnel. All that finish good is all good. You know what I mean? Là, c'est bien, c'est vraiment très bien. C'était merveilleux. On a bien collaboré avec les autres acteurs.
very, very, il était... Il, vraiment, il comprenait tout. C'était bien de jouer avec quelqu'un qui a autant de nuances, qui est si nuancé, qui essaie de tout supprimer, mais de garder face aussi. Donc Denis, en fait, il était remarquable. Il m'a encouragé à très peu montrer. Donc c'est vrai qu'elle est, elle est un peu malmenée. Hein. Première participation en compétition à Cannes, ça va? Oui, c'est un immense honneur, c'est un beau, beau privilège. J'étais très nerveux pour ce matin, mais maintenant c'est la fête, la projection s'est bien déroulée. Le film a été bien accueilli, alors maintenant, I'm just enjoying the night.